Mesdames et messieurs, bonjour. Excusez-moi, mais je ne peux pas me lever, sinon je me lève. Je viens depuis fort longtemps, mais un jour, il y a, en 2009, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital à Saint-Éloi, paralysé, coincé sur mon lit, il faisait chaud, et je ne peux pas bouger à cause du handicap et des appareils qu'ils m'ont accordés. Et je me posais des questions un peu existentielles, me demandant à quoi j'avais servi sur la vie. Et l'idée m'est venue qu'au point de vue tableau, je devais peut-être faire quelque chose de plus sérieux que ce que je faisais, qui était des paysages, des bouquets de fleurs. Et peu à peu, l'idée s'est imprégnée en moi de peindre la passion de Christ. Et c'est devenu une idée prégnante, persistante. C'est bien que quand je suis sorti de l'hôpital, c'était vraiment mon obsession. Il fallait que je peigne la passion de Christ. Mais j'ai acheté des étoiles. Et puis j'ai commencé à réfléchir aux différentes stations, mais mon handicap, qui est un accident vasculaire cérébral, m'empêche de lire. Donc je n'ai pas pu lire les différentes étapes de la passion de Christ. Alors j'essaie de me souvenir de mon enfance et de mon catéchisme, et j'ai reconstitué 12 stations, et je me suis dit, 12 stations, c'est le nombre d'apôtres, ça doit correspondre à la réalité. Alors j'ai peint 12 stations, et là dernièrement, dimanche pas, je vais t'inviter chez des amis. Gogolin m'a dit, tu t'es trompé, c'est pas 12 depuis le 16e siècle, c'est 14 stations. Alors je peux m'excuser d'en avoir fait que 12. Il manque la station de Jésus, quand Jésus descendu de la croix, remis à Marie, que j'ai fait directement le Jésus de tombeau. Et il manque également la troisième chute de Jésus. Mais je trouve qu'après deux chutes, c'était suffisant. J'espère que malgré cette. Ce non-respect de la tradition du XVIe siècle, vous apprécierez les tableaux, et je vous en remercie. Je tiens à remercier également le père Vernon, si je ne me trompe pas, c'est ça, oui. les frères, les sœurs qui ont bien voulu m'accueillir et me permettre d'exposer dans leur micro. C'est un immense honneur pour moi. Je n'aurais jamais pensé en faisant ce tableau pour être exposé à un tel endroit. Je vais en dire un grand merci une fois.